الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله سبحانه وتعالى أديد في القرآن الكريم في سورة الفرقان آية 67 et que ceux lorsqu'ils dépensent ils ne dépensent pas dans le haram. الإسراف يطلق ويراد به النفقة في الحرام أحيانا يطلق ويراد به النفقة في المكروه ولكن على كل الإسراف إذا قلنا إنه إنفاق في الحرام فهو حرام وإذا أنفق في الأمور في المبالغة في التنعم في المطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك فهو مكروه ليس حراما ولم يقتروا أي لم يبخلوا عما هو واجب في أداء أموالهم. Alors ceux qui dépensent, ils ne dépensent pas dans le haram et ils ne pratiquent pas l'avarice dans le sens qu'ils ne délaissent pas ce qui est obligatoire à donner dans leurs biens comme zakat, comme nafaqa obligatoire pour l'épouse, pour les enfants moins que l'âge de la puberté, pour les parents qui sont pauvres. وكان بين ذلك قواما alors ils sont entre les deux c'est-à-dire ils dépensent dans le bien et ils ne dépensent pas dans le haram وكان بين ذلك قواما اي ينفق الانسان فيما يحتاج اليه ينفق فيما اباحه الله سبحانه وتعالى وينفق في الخيرات il dépense pour lui pour sa famille en étant dans le juste et il ne dépense pas dans le luxe Et il pratique une générosité dans les actes de bien, comme c'était le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذن في الإسلام يمدح المرء الذي ينفق في ما يرضي الله في الكرم في الجود في إكرام الضيف في التوسع في التوسيع على الفقراء والمساكين c'est quelque chose qui est loué dans l'islam le fait de pratiquer la générosité et dépenser dans le bien, le fait d'accueillir chaleureusement les invités, le fait de dépenser pour les pauvres, pour les misérables, dans les portes de bien, même si la personne a tout donné et n'a rien laissé pour lui-même. Hatta, لو لم يترك شيء لنفسه, كان بعض الصالحين أحيانا يخرج من كل ماله لا يترك شيئا. Certains saints, il a sorti de ses biens quatre fois. ليس مرة واحدة فعلها أربع مرات يخرج من كل ماله. حتى واحد من صدق توبته, quelqu'un, lorsqu'il s'est repenti, il est tellement content de sa repentance, il a dit, je sors de tous mes biens. فوجد أن الثياب التي عليه ما زالت في ملكه. Il a vu que les habits qu'il les porte C'est toujours sur lui. Alors il est descendu dans l'eau et il les a enlevés et il a donné à un pauvre. Alors quelqu'un qui a été chez lui à la maison pour lui ramener des habits afin qu'il sorte de l'eau. Parce qu'il était dans l'eau pour couvrir sa zone de pudeur. Et dans le hadith, الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وهذا
صدق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors Abu Huraira a rapporté que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit, la richesse, c'est pas lorsqu'on a assez de biens, assez de moyens, mais plutôt la richesse, ça réside ou ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur. لأن بعض الأحيان لما الإنسان يكون قنوع وراض ويرى نعمة الله عليه عظيمة فتراه إيش يشارك في هذا غيره. Lorsque la personne voit et observe que les bienfaits de Dieu sur lui c'est énorme et il voit à chaque fois qu'il est dans un bien que c'est de la part de Dieu Azza wa Jal, alors après par la suite cela le pousse à donner à partager. Mais sinon on a des gens qui ont beaucoup de moyens mais pour eux la donation ne rentre pas dans leur vocabulaire ou ne rentre pas dans leur domaine de vie. Non. أحيانا قد يكون الإنسان له من العرض الشيء الكثير، له من المال الشيء الكثير، له من الغنى الذي بيده الشيء الكثير، ولكن لا يدخل عنده في القاموس النفقة والإخراج في سبيل الله. هذا لأنه بعد ما ترقى، لو كان مترقيا لتخلى عن الدنيا وأقبل عن الآخرة. Celui-là, il n'est pas encore dans les hauts degrés. Il n'est pas encore, et il est toujours dans un niveau qui n'est pas élevé. Lorsqu'il commence à délaisser le bas monde et à les négliger, c'est là où tu vois son état. Wa fil hadith qala alayhi salatu wa salam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. إذن أولا النبي عليه الصلاة والسلام قيد الفلاح بالإسلام، قد أفلح من أسلم، هذا أول شيء من علامات الفلاح، أن يسلم ويكون كتب الله له إيش أن يموت على الإسلام. ومن نعم الله عليه أن جعل رزقه كفاف، ما يحتاجه في اليوم الله تعالى يهيئه له من 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 طريق الحلال، يهيئ له رزقه كفافا كمن يحتاج في يوم 20 فيجد تلك 20 أو 21 أو 22 أو 19 كان رزقه كفافا كما يحتاج. لأنه لو كان رزقه أكثر سيشغله هذه الكثرة، هذه الزيادة ستشغل فكره، كيف سيعمل، كيف ينميها، كيف تكبر عنده، فينشغل عن أمر الآخرة. وإن كانت دون أقل ينشغل فكره كيف يطعم الزوجة والأولاد، كيف يداوي هذا الولد المريض، كيف يفعل هنا، فينشغل فكره بمصائب الدنيا عن عمل الآخرة. فأما إذا كان رزقه كفافا صار متهيئا لعمل الآخرة مع راحة البال. وقنعه الله بما آتاه، لأنه قد يؤتى الرزق كفافا ولا يرزق قناعة فيركض خلف الدنيا ويعرض عن الآخرة، مع أنه أتاه الله رزقه كفافا ومع هذا هو لم يقنع. وأحيانا بيكون حتى أتاه الله فوق الكفاية ومع هذا لم يقنع، فبالتالي بيجي بيدخل إلى السوق على الساعة 6 قبل الفجر يعني أو 5 قبل الفجر، فيصلي في الدكان ليس في السوق، ثم يخرج بعد 12 ليلا آخر واحد بيطلع من السوق. ليش؟ حتى يتصيد كام زبون بين 11 و12 بيكونوا مقطوعين. فهذه الحال أي حال 18 ساعة شغل أو 17 أو 19 شغل، وعلى أي شيء على أي شيء. فإذا إذا أعطاه الله رزقه كفافا وقنعه الله رضي بذلك، فبتلاقي بالتالي لا يتفوته الجماعات، لا تفوته مجالس العلم، لا تفوته مجالس الذكر، لا تفوته زيارة المريض، لا يفوته الاطمئنان على الجار، لا يفوته بر الوالدة، لا يفوته صلة الأرحام، لا لا، لأن هذا الشيء الذي أعطاه الله رضي به، كان يكفي حاجته ورضي، فبالتالي صار يستخدم الأوقات
الساعات والدقائق والأنفاس فيما يرضي الله، فأي نعمة هذه النعمة؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء، سيد الحكماء، لما لفت نظرنا إلى هذا لنتأمله فنعمل على مقتضى ذلك. سيدنا محمد est le maître de tous les sages. Lorsque سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit, il trouve la réussite celui qui a embrassé l'islam et celui qui a la pourvoyance juste à ce qu'il a besoin, juste comme il a besoin, et que Allah Ta'ala lui a donné la satisfaction et lui a mis dans son cœur la satisfaction. Hadith rapporté par Muslim. Alors tout d'abord, la réussite, c'était quoi? Embrasser l'islam et mourir sur l'islam. Voilà, il n'y a pas de réussite en dehors de ça. Tout d'abord, la personne, Allah Ta'ala a la guidé dans ce bas monde qui n'est qu'un passage, à croire en Dieu, qu'il a un créateur, il a cru à tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au Mohammed, et il a su qu'il faut suivre le prophète du temps, et le dernier messager, c'est Sayyidina Mohammed alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à être musulman, et il a aimé l'islam, et il a l'intention de mourir sur l'islam, et Allah ta'ala a prédestiné qu'il meure sur l'islam. C'est pour cela qu'on dit, il trouvera la réussite. Qad aflah. Il trouve la réussite, celui qui a embrassé l'islam. Et par la suite, comme vous connaissez le bas monde, là, une chose essentielle dans le bas monde, la pourvoyance, c'est-à-dire la personne a besoin de manger, il a besoin d'une maison où dormir, il a besoin des habits pour les porter. Et il a besoin des fois un peu d'argent pour payer le transport ou le médecin ou le médicament. Et Allah Ta'ala a fait que il a donné à cette personne qui a embrassé l'islam juste ce qu'il a besoin, comme si la personne a besoin par jour 20 francs, et Allah Ta'ala lui a donné 20 ou 22 ou 25 ou 19. Il tourne, ça semble là, tourne autour de cela. Et j'ai dit là, la sagesse derrière ça, pourquoi c'est une grande chose? Parce que si tu as beaucoup plus, alors tu vas dire, voilà, beaucoup plus, qu'est-ce que je peux faire avec cette somme d'argent? Je peux la mettre dans tel commerce, je peux mettre, et tu vas suivre. Si tu mets un commerce et tu mets quelqu'un qui travaille, il faut le suivre, sinon il peut te trahir, il peut te voler. Et par la suite, il y a du temps qui va être dépensé pour ça. Il y a du temps que tu vas l'utiliser pour ses affaires, même s'ils sont dans le halal. Et si tu as moins, ça va te perturber. Tu n'as pas assez pour faire à manger pour tes enfants. Et tu n'as pas assez pour donner la nafaqa obligatoire pour la femme. Tu n'arrives pas à payer le loyer à la fin du mois. Tu n'arrives pas à acheter quelque chose pour la famille. Alors ça va te perturber et ça va te rendre distrait. Et ça va t'éloigner de, que ce soit de l'jama'a, de la science, de zikr, ainsi de suite. Lorsque tu as la pourvoyance juste à ce qu'il, comme tu as besoin, et Allah Ta'ala t'a donné la satisfaction, tu es satisfait de ça, alors tu es satisfait. Si on te propose, mais tu peux faire autre chose, tu vas dire, mais pourquoi? Je peux faire un autre travail, mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. J'ai ce qu'il faut. Pourquoi je travaille? Pourquoi? Tu me dis, oui, ramasse des pommes de terre. Mais moi, je suis en train de ramasser de l'or. Tu me dis, ramasse du pomme de terre. Oui, mais tu peux ramasser de pommes de terre et de l'oignon et de l'ail. Mais moi, je suis en train de ramasser de l'or, des diamants, des perles, parce que la séance de l'ilm, il y a quelque chose de récompensé à Allah. Qui sait, si quelqu'un embrasse l'islam avec moi, c'est mieux que ce qui est sur la terre. Deux rak'at est mieux que la vie, ce qu'il y a dedans. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est mieux que le fait d'avoir une montagne au nord. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? Tu me dis, laisse les séances de science, laisse le zikr, laisse la mosquée, laisse la prière jama'a. Pour faire quoi? Pour ramasser un peu, j'ai dit, à l'équivalent de celui qui, Allah, j'ai 200 sacs de l'ail, j'ai 4000 sacs de l'oignon, j'ai 4000-5000 pommes de terre. Tu vas faire quoi? Oui, ça va me ramener l'argent, mais après, si tu manges 3 kilos de viande, tu vas souffrir. Si tu manges 3 kilos de viande, si tu manges 1 kilo de glace et une bouteille de cocaïne, ça va faire mal. Alors tu n'as pas, tu peux, c'est pour cela. Il a,
Le prophète a dit juste ce qu'il a besoin et Allah Ta'ala lui a donné la satisfaction. Par la suite, le temps est utilisé pour l'au-delà. C'est là la grande réussite. هذا من أعطاه الله تعالى الإسلام لينشغل به من رزقه الله الإسلام لينشغل به في طلب الآخرة وكان رزقه كفافا. وبعض الأحيان ما بتعرف كيف الله تعالى بيسر لك رزق خفيف من دون تعب من دون مشقة من حلال كما يعني كما تحتاج والله أعطاك قناعة بهذا أنت راض أنت قنوع فبالتالي لن أستعمل الوقت الذي هو أغلى من الذهب والدر والجوهر والياقوت والإلماس أغلى أن لن أستعمله في شيء آخر إلا في أعلى ما يرضي الله وهنا نقول الصوفي هو من يشغل وقته في أولى وأعلى وأحب ما يكون أقرب إلى رضوان الله يعني un vrai soufi il essaie de remplir son temps par les meilleures choses الله تعالى أجري فإذا ينظر وقت الجماعة فإذا هذا الوقت أصلح وأن تكون في جماعة وبعد ذلك تبارتاج تقسم وقتك ما بين prendre soin de ton voisin الأرحام ta mère ton père enseigner apprendre lire le Coran faire le ذكر أنت تنظر كيف تملأ هذه الأوقات في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حكيم بن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو إن هذا المال خضر حلو أي هو كالفاكهة الحلوة الخضرة الطازج والحلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه يعني أخذه ونفسه سخية ليس متعلقة ليس جشعا ليس طماعا ليس إنسانا حريصا على المال من أي طريق كان حلال أم حرام لا لا أخذه بسخاوة نفس أخذه من حل ليصرفه في حل أخذه من طريق طيب لينفقه بالطيب بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس أخذه بجشع أخذه بطمع أخذه وليس الغرض من هذا أن ينفقه في الحل ولم يتحرى أن يكون طيبا لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى يد العليا التي تعطي اليد السفلى ليست هي هيك على الإطلاق التي تأخذ إنما اليد السفلى هي التي تطلب هي التي تسأل لأنه أحيانا قد يأتيك المال وأنت لم تطلبه ولست جشعا ولا متعلق القلب به فإذا تكون اليد السفلى هي اليد التي تطلب هذا المال ولا تعمل بالعفة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يعمل بهذه العفة Alors Hakim ibn Hizam, c'est un homme qui a vécu 60 ans dans la période avant l'envoi de Sayyidina Muhammad, fil jahiliya, 60 sana. Et il a vécu 60 ans dans l'islam. 60 sana fil jahiliya, 60 sana fil islam, il était dans la bataille de Badr, wa shariba min al-hawd alladhi kull man shariba minhu mata kafiran illa hu. شرب من الحوض ولم يمت في ذلك اليوم كافر بل أحياه الله حتى دخل في الإسلام فكان إذا اجتهد في الدعاء يقول لا والذي نجاني يوم بدر لا والذي نجاني يوم بدر فلم أمت كافرا بل أحياني حتى أسلم وهذا من نعم الله العظمية فإذا من نعم الله العظيمة فكان إذا اجتهد في الحلف يعني يقول لا والذي نجاني يوم بدر لم أمت كافر مثل أبو جهل لم أبد كافر مثل عتبة وشيبة الله تعالى سلمه حتى أسلم كما سلم عكرمة ابن أبي جهل أيضا حتى أسلم Alors j'ai dit Hakim, il a vécu 60 ans dans l'islam, 60 ans après l'islam, il a participé dans la bataille de Badr, il a bu du bassin lorsqu'il était avec les mécréants et tous ceux qui ont bu, le prophète a dit laissez-les, ils sont tous morts, mécréants sauf lui. Et lorsque Hakim voulait des fois
faire un juré et il insiste, lorsqu'il insiste, lorsqu'il veut vraiment faire un jurement grand pour lui, il dit je jure par celui qui m'a sauvé la vie le jour de Badr, dans le sens que Allah a fait que j'ai pas trouvé la mort en étant mécréant, mais plutôt Allah m'a laissé vivant dans ce jour de Badr, et par la suite j'ai vécu jusqu'à j'ai embrassé l'islam. Il a vécu 60 ans après dans l'islam et il était très ascète. Alors Hakim a dit, je demandais un jour au prophète alayhi salatu wasalam, c'est-à-dire qu'il me donne, il m'a donné. Je lui ai demandé encore une fois, il m'a donné. Je lui ai demandé encore une fois, il m'a donné. Et le prophète lui a dit, Ya Hakim, ce bien est comme les fruits fraîches et sucrés. Lorsque tu parles des fruits frais et sucrés, c'est-à-dire c'est quelque chose que c'est des fruits désirés, c'est des choses que ça attire l'homme à manger. C'est pas comme des fruits qui sont pas sucrés, c'est pas comme des choses qui ne sont pas frais, mais plutôt lorsque tu ramènes des bons pêches, des bons cerises, des bons raisins, des bons figues, ainsi de suite, frais et sucrés. Voilà, alors il a dit le bien ressemble aux fruits qui sont frais et qui sont sucrés. Celui qui le prend, le bien, avec satisfaction du halal, dans l'intention de dépenser dans le halal, il ne l'a pas pris en ayant le cœur attaché à l'argent et en prenant de tous bords sans contrôle. Non, il l'a pris en étant vigilant, il ne prend que le halal dans le but de le dépenser dans le halal et dans le bien. Allah Ta'ala lui met la baraka dans ce bien. Et c'est lui qui le prend avec attachement à l'argent, avec sans contrôle, c'est-à-dire il le prend de tous bords, qu'il soit halal ou non. Et des fois la personne on lui dit, mais attention, cet argent là, il ne veut rien savoir au sujet de l'argent, l'argent m'est arrivé, c'est bon. Et lui-même il prend la fatwa, j'ai donné la fatwa à même, c'est du halal. C'est toi, subhanallah, tu as appris comme chef, et toi. Oui, parce qu'il s'agit de l'argent. Toi, tu donnes une fatwa que lui, il ne le correspond pas. Alors, non, vous ne donnez pas de fatwa. Moi, je sais. Alors, il prend l'argent de tous bords, sans contrôle, sans distinguer entre halal et haram. Il y a des choses douteuses. Et pour toi, douteuses. Pour lui, n'est pas douteuse. Il le prend. Allah Ta'ala ne lui met pas la baraka dans ce bien. Et il sera comme celui qui mange et il n'est pas rassasié. Il mange et il n'est pas rassasié. Alors à quoi ça sert? Tu as à manger et tu le manges, tu n'es pas rassasié. Parce qu'on a dit le bien, lorsqu'il est juste à ce que tu as besoin, et ça vient du halal, tu rachètes du pain, de l'huile d'olive, quelque chose, tu manges, tu es rassasié. Tu vois, et des fois tu partages et tu donnes. Tu vois la baraka. Mais des fois tu manges, tu n'es pas rassasié. Alors tu n'as pas bien tiré profit de cet argent. Allah Ta'ala ne met pas la baraka pour toi lorsqu'il s'agit du bien douteuse, du bien que tu l'as pris d'une source illicite, lorsque tu le cherches de tous bords, sans distinction, est-ce que c'est du halal ou du haram. Allah Ta'ala ne te met pas la baraka dedans. Et par la suite, voilà, comme j'ai dit une fois, voilà, il achète une voiture, 30 000, un accident. Tout est à jeter, même pas à vendre, mais tu la vends comme fer, hein, 200, 300 francs, parce qu'il n'y a rien qui est réparable, il faut la jeter complètement. Et des fois, voilà, d'autres manières, il a, puis après, il ne dépense rien, alors il se trouve qu'il est éprouvé par telle et telle chose. Il ne faut pas oublier que si tu cherches la baraka, tu prends l'argent du halal, et tu le dépenses dans le halal, et tu payes la zakat, et en plus de la zakat, tu cherches à faire des aumônes à droite, à gauche. C'est là où tu as la baraka pour tes biens. Et la main haute est mieux que la main basse. La main haute, c'est la main qui donne, fi sabilillah, pour l'agrément de Dieu. La main basse, ce n'est pas dans tous les cas celui qui reçoit, mais c'est plutôt celui qui demande, celui qui vient aux gens et il dit, donnez-moi. Parce que des fois, la personne, elle est pauvre. Il ne demande rien aux gens. Mais ça arrive qu'on lui envoie, on lui donne. Mais lui, il est tellement
satisfait et vertueux, il ne demande rien aux gens. Alors le prophète alayhi salat wa salam a dit à son compagnon que s'il t'arrive qu'on te donne de ce bien, si tu es dans le besoin, tu le prends et tu dépenses pour toi. Si tu n'es pas dans le besoin, tu le prends et tu dépenses fi sabilillah. انه من جاءك من هذا المال من غير شره من غير تعلق قلب واحد حب هيك يكرمك بهذا المال فان كنت بحاجه خذه تموله وانفق على اهلك انت ما كنت تظهر للناس الفقر وانت لست بفقير لا لست من هؤلاء ولست ممن يرسل الى الناس ما تنسوني يا جماعه انا كذا لست انت انسان الله سبحانه وتعالى اعطاك كفافا اعطاك قصدي اعطاك عفافا عفافا مع الحاجة لا تسأل فإذا جاءك وأنت بحاجة تمول وإن جاءك ولست بحاجة أنفقه في وجوه الخير أنفقه في وجوه الخير بعض الأحيان تكون أنت منك بحاجة ويعطيك إنسان وفي رد المال عز لك وإذلال له فأنت تختار أن يكون هو العزيز ولو كان في هذا نوع إذلال المهم العبرة بما عند الله خذه وضعه في سبيل الله parce que des fois tu n'es pas dans la pauvreté ou des fois tu es dans la pauvreté mais tu veux pas parce qu'il y a une certaine humilité le fait d'accepter de certains pas de tout le monde et des fois tu dis bon par ça il y a une certaine modestie de ma part il y a une certaine humilité de ma part j'accepte alors si tu veux le dépenser pour toi tu le dépenses sinon tu donnes aux pauvres il y a certains ça ils observaient ça si je refuse c'est une dignité pour moi et comme je le néglige ou je le mépris alors ils préfèrent de lui donner à lui la dignité et l'honneur et lui même s'il va être dans l'aspect de celui qui est dans l'humilité ou humilié, tout ça, il prend parce qu'il dit par ça, ça va être une éducation pour mon cœur. Et par la suite, il ne dépense pas pour lui, mais il donne aux autres. فهمنا انه بعض الاحيان بيكون الاخذ في الاخذ نوع من الاذلال فيقول لنفسه اخذ هذا لاكون في هذه الصوره ويكون من اعطاني في صوره العزيز في صورة العزيز الذي له درجة الإعطاء وكذا لأنه يقول لو رددت عليه في هذا عز لي وذل له فيختار أن يكون هو في هذا الموقف لأنه يرى في هذا أقرب إلى التواضع أقرب إلى الانكسار أقرب إلى التواضع أقرب إلى الانكسار يظن هذا الإنسان أنه أعطاه سينفقه على نفسه ولا يفعل بل ينفقه على الفقراء et le dépense il le prend mais il le dépense pour les pauvres. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا. Lorsque le prophète lui a dit ces paroles, il a dit ô messager de Dieu, je jure par celui qui t'a envoyé messager dans la vérité, je ne prends rien. La arza ou ahadan, c'est-à-dire je ne sois pas lourd et je ne prends rien d'une personne après toi jusqu'à que je quitte le bas monde. Lamma qala lahu an-nabi kayf annu man akhadhahu bi sharahin lam yubarak lahu fi man akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi sami'a hadhihi al-kalima qala la arza ou ahadan ay lan akuna thaqilan ala ahad لا أثقل على أحد فلا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا إلى دي je ne prends rien jusqu'à que je quitte le bas monde. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيء معنى هو كان إيش بحاجة أبو بكر l'appelait et il voulait lui donner et il n'acceptait pas il n'acceptait rien ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله il l'a appelé pour lui donner encore au temps de سيدنا عمر et il n'a pas accepté فقال يا معشر المسلمين سيدنا عمر قال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن أخذه il a dit عمر ô musulman soyez témoin moi je propose à Hakim d'avoir sa part que Allah Ta'ala lui a mis parce qu'il y a un dans les biens de butin de guerre, de l'fay, tout ça il y a quelque chose pour les pauvres
Et moi, je lui propose, mais lui, il refuse de le prendre. Et comme lui, il est responsable de la communauté musulmane, il doit proposer. Et c'est Hakim qui refuse. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Alors il n'a rien pris Hakim après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à la mort. حتى مات. وعاش زمانا طويلا. On a dit 60 ans dans l'islam. والرزق الرزق ليش بنقول هو نحن بنقول الله يرزقك ولا نقول الله يرزقك لأنه الرزق هو النقصان يعني إنه هو قال لم يرزق أي لم يأخذ لأنك لو أخذت أنقصت فالرزق هو من النقصان فبعضهم هيك يتعودوا أن يقول هيدي رزقة رزقة هي رزق هذا رزق لكن العامية هذا يعني يستعملون هذا يبدلون القاف همزة وما معنى إشراف النفس طمعها بالشيء نحن قلنا من غير طمع من غير أخذ المال من غير إشراف نفس أي il a pris l'argent sans cupidité sans être attaché sans être une personne qui le cherche de tous bords mais plutôt il cherche il sélectionne il cherche le bien qui est halal lorsqu'il le trouve halal il le prend Et il le prend dans quel but de le dépenser encore dans le halal ou dans le bien. بعض الناس إنسان بيجمع المال لحبه لجمع المال. Il y a des gens qui ramassent l'argent parce qu'ils aiment ramasser l'argent. Et il y a des gens qui ramassent l'argent pour dépenser dans le bien. قارون كان يجمع المال لحبه لجمع المال فخسف الله به وبماله الأرض. Qarun, même Bani Israël, c'était un homme qui aimait l'argent et qui ramassait l'argent. Il travaillait avec les pharaonites, il faisait du commerce, il faisait. Jusqu'à que vous connaissez que les clés de ses coffres étaient quelque chose de lourd à porter, les clés. On ne parle pas de son argent et ses coffres. Et à la fin, Allah Ta'ala a fait que la terre s'est englotie et il a pris lui et ses coffres. يمكن بعض الناس بيفكروا وين لا يروحوا يحفروا بركي بلاقوهم تتر il y a des gens qui vont dire mais c'est où il était où Qarun lorsque la terre s'est englotie on va ramener les grandes machines aujourd'hui pour les ramasser et j'ai dit il y en a d'autres qui ramassent l'argent c'est pas dans l'amour de ramasser l'argent à l'exemple de Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu رضي الله عنه عبد الله بن المبارك ليس أهل بلده فقط بالعالم الإسلامي c'est pas la ville de عبد الله المبارك mais dans les régions du monde islamique il y a un savant dans tel coin il y a un savant là il y a un savant ça il les mettait l'or dans des sacs et il envoyait à ces savants pourquoi il a dit parce que ces gens-là ils sont dans le besoin c'est pas des savants qui ont les moyens ils ont Ils sont dans le besoin. Et la communauté du prophète Mohammed a besoin de leur science. Si je leur donne, ils consacrent leur temps pour l'islam et la da'wa et les musulmans. Et ils vont donner de leur science. Mais si on ne leur donne pas, ils vont prendre une bonne partie de leur temps pour chercher ce qu'ils ont besoin. Alors il a dit, moi j'envoie à ces gens-là. ما هذا الفهم ما هذا العقل هدول رجالنا اللي بينظروا لجمعية المشاريع وبيبعت لأنه جمعية المشاريع لها دعاة بإفريقيا لها دعاة بأمريكا اللاتينية لها دعاة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي لها دعاة بحيث أنه لابد ترسل إلى هذا الداعي ما يطعم به زوجته وأولاده الحد الأدنى وهو يتصرف بالدعوة ففي ناس بيقول أنعم الله علي أنا هذا المال كيف أفعل فيقول إذن أرسل هذا المال وبيقول أنا أحب أن يكون هذا المال لمن يشتغل بالدعوة بأثيوبيا بهرر بالبلد اللي خرج لنا الشيخ عبد الله من هذه البلد اللي هي أثيوبيا وهرر خرج منها الشيخ عبد الله ففي هناك عشرات الدعاة فهؤلاء فهماء على خطى عبد الله بن المبارك. alors j'ai dit que عبد الله بن المبارك il n'était pas comme Qarun et on dit qu'il gagnait par jour
à peu près un kilo d'or. Et à l'époque, un kilo d'or, tu peux acheter une ville comme Lausanne, yani, par la surface. Mais Abdullah ibn al-Mubarak, parmi ses dépenses, il observait les savants dans le monde islamique et qui sont dans le besoin. Et il leur envoie des sacs en or qui leur donne la satisfaction à tel point qu'il n'a pas besoin de travailler. Parce que comme il a une épouse, il a des enfants, il a de quoi dépenser. Et lui, il consacre tout le temps, fi sabilillah, pour propager la science. Il a dit à Abdullah ibn Mubarak, si je n'ai pas fait, ces gens, ils allaient travailler. Et s'ils vont chercher à travailler, leur temps va être très réduit pour l'enseignement. Et la communauté musulmane a besoin de leur science. Alors moi, je préfère leur donner afin qu'ils consacrent leur temps pour la communauté musulmane. Et regardez comment il est intelligent cet homme qui est mujtahid d'ailleurs, mais Allah Ta'ala lui a donné les moyens. Mujtahid, qui jeûne la journée, qui prie dans la nuit, qui fait des livres, très ascète, très généreux. Regardons, il y avait des gens qui ramènent les marchandises depuis Khorasan, des pays lointains, jusqu'à la Mecque. Ils vont, ils gagnent. Et c'est vraiment une grande fortune. Mais il n'a jamais payé la zakat. Il faut me dire, mais pourquoi? Il y avait normalement, à nos jours, comme tu dis, des milliards. Parce que pour payer la zakat, il faut avoir 20 dinars à côté. Mais lui, il n'avait pas 20 dinars à côté. Le gain sort et ça... fi sabilillah, il y a un capital qui tourne, mais toujours on est en train de dépenser jusqu'à on n'a pas 20 dinars. Bon, des fois lorsqu'on a le seuil pour le commerce, si on a un seuil, on paye même si on n'a pas le 20 dinars. C'est comme information. Et j'ai dit, il y a de nos frères en Europe, en Australie, au Canada ou au Liban même, qu'Allah Ta'ala leur a donné les moyens. Alors ils ont réfléchi, ils ont dit, il y a des gens, des enseignants qui enseignent en Afrique, depuis l'Éthiopie, là où le Cheikh Abdullah est sorti de Harar. Il y a un grand travail pour la da'wah là-bas. Il y a dans les pays de l'ex-Union soviétique, il y a des pays encore d'autres. Bref, il y a des dizaines ou des centaines de gens qui travaillent dans la da'wah et qu'eux, ils n'ont pas les moyens. Et là où ils donnent la dawa encore, les gens là-bas, ils sont pauvres, ils n'arrivent pas à subvenir à leur charge. Et la jamaïa leur donne, voilà, 100 dollars, 200 dollars par mois, 200 ou 100 ou 250, ou un peu moins ou un peu plus, Allahu a'lam. Et il y a des gens qui disent, moi je préfère de donner à 10 enseignants, fi sabilillah, ou 5, ou 2, ou 1, chaque mois. J'ai dit, voilà des gens intelligents qui réfléchissent comme Abdullah ibn al-Mubarak. Parce que nous, vous connaissez très bien, on n'a pas un pays qui a de pétrole comme la Saoudie, qui a 4-5 milliards à l'époque qu'ils donnaient pour le wahhabisme. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'ils ont changé de stratégie, qu'ils ont compris que le wahhabisme, en tant que tel, est un problème dans le monde islamique ou dans le monde tout entier. Ils ont changé peut-être, mais ils dépensaient des milliards. Qatar, jusqu'à maintenant, elle est prête à dépenser l'argent pour Hizb al-Ikhwan, pour faire vraiment quelque chose de grave. Ils payent, ils ont payé ici en Suisse 3 millions pour des gens malfaiteurs. Alors, si ces gens-là, ils ont des projets politiques, ainsi de suite, propager l'égarement, parce que Qatar, asimat al-wahhabiyin, alors on a bien fait sur un bord, min Daraya ou Qasim, ou la Qatar, qui là où ma haoulaï, al-tarsim ou al-tashbih, qatalahouma. Yani, que ce soit la région de Daraïa ou à l'époque, et après on dit Riyad, après on dit Qasim, Asimat al-Wahhabiyin, ou Qatar, il y a une belle zéra. Mais ils disent, nous sommes Ibn Abdul Wahhab, nous sommes Kaza, hatta ta'arfou. Nous sommes al-Wahhabiyin, nous sommes Kaza, Qatar. C'est des gens qui dépensent pour propager al-Kufr wa al-Dalal. Qui dépensent pour al-Kufr wa al-Dalal et semer la division dans le monde islamique. Alors, si nous disons que nous on donne au minimum fi sabilillah pour ceux qui font la da'wa, qui propagent al-aqidat Abil Hassan al-Ash'ari wa fiqh al-imam al-Shafi'i wa tariq al-imam al-Junayd al-Salik, ayu khayrin azim.
si la personne devant ces pays qui ont du gaz et du pétrole par des milliards, des centaines de milliards, et ils dépensent pour propager l'égarement, les gens de Al-Sunnah wal Jama'a disent, mais nous enseignons la voie de l'imam Shafi'i dans le fiqh, nous enseignons la croyance de l'imam Al-Ash'ari et nous suivons le chemin de l'imam Al-Junayd. Alors quel bon geste le fait de dépenser fi sabilillah dans ce but. رجوع إلى أمر المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عبد الله بن المبارك كان مؤمنا قوي الإيمان. Alors le croyant fort est mieux et plus agréé selon le jugement de Dieu que le musulman faible. المسلم الضعيف هذا اللي بفكر بزوجته أولاده والغدا والعشاء تاعه. Alors celui qui est faible, celui qui pense à lui-même, à son épouse, à ses enfants. Et à son repas du midi, à son repas de soir, et qu'est-ce qu'on va faire, où on va faire les vacances cette année. Alors le croyant fort, c'est celui qui pense à la communauté musulmane, là où il est, et ailleurs, et comment on peut améliorer notre état. Alors par la suite, il n'y a pas un projet de sadaqa jariya bis'al. Il n'y a pas un projet de sadaqa jariya. Vous ne voulez pas faire une mosquée, vous ne voulez pas faire une école. Il n'y a pas quelque chose que je peux faire que même 1000 ans après ma mort, j'aurai de la récompense. Il cherche. هذا العاقل. هذا المؤمن القوي. Abdullah ibn al-Mubarak était parmi les gens, les croyants, qui sont forts dans leur foi et intelligents et suivaient cette manière dans la vie. اتبعوا هذا الخط اسلكوا هذا السلوك. Cherchez cette voie, cette manière de vivre. شيء لك شيء لأهلك وشيء لربك الذي خلقك. Il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour ta famille, mais il y a quelque chose pour ton Seigneur qui t'a créé, parce que Allah Ta'ala a dit: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله. من كرم الله. Par la générosité de Dieu, Allah a nommé que lorsque tu dépenses fi sabilillah, il a nommé un prêt pour lui, c'est-à-dire dans le sens tu avances dans le bas monde et tu attends le jour dernier pour que tu l'auras la récompense dans le paradis. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لأنك أسبقت في سبيل الله. والله تعالى لا يحتاج إلى شيء أنتم تعلمون لكن هذا امتحان وابتلاء منه سبحانه عز وجل. الله n'a besoin de rien, mais c'est une épreuve de la part de Dieu pour ses créatures. Qui agit dans le bien, qui arrive à vaincre son ego, من يغلب نفسه, من يستطيع أن يحكم العقل ليغلب النفس. Parce que c'est une grande lutte, jihad akbar, grande lutte, et surtout à ce sujet, à ce point-là, grande lutte, fi sabilillah, contre ton ego, lorsque tu mets en pratique ce que la raison dicte, et la raison dicte que ma indallahi khayrun wa abqa. Ce que on a dans le jour dernier, c'est mieux. Et ça reste, c'est mieux pour nous et ça reste. وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ. Et ce que vous avez dans vos mains, c'est pour l'anéantissement. C'est pour l'anéantissement. شُمَا بَدَّكْ طَلَّعَ. Regarde autour, il y a des gens qui ont fait des très jolis châteaux en Suisse. Le château est resté, mais la personne qui l'a construit, il est parti. Alors, puisqu'il a construit sur terre, ça restait sur terre. Il n'a rien pris avec lui dans la tombe. Mais il y en a des gens qui n'ont rien resté ici, rien laissé ici, mais ils ont tout pris dans la tombe parce qu'ils ont bien agi comme Abdullah al-Mubarak. Ou à plus forte, yani si on veut donner le grand exemple, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi wassala fil karam ila al-qimma. Il est arrivé dans la générosité au sommet lorsqu'il a dit: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما أحب أن يبيت عندي ليلة وعندي منه شيء. Il a dit: si j'aurais comme la montagne de Uhud en or pour moi, ah, j'aime pas qu'une nuit passe et qu'il y a quelque chose de cette montagne le lendemain. Il a dit: il sera, j'aime bien ce qui sera tout dépensé avant l'aube, avant le matin. هذا قدوتنا وهكذا ينبغي أن نفكر أن نكون من من المسلمين المتحمسين للخير. Qu'on soit parmi la communauté musulmane qui sont motivé dans le bien, motivé dans le bien. Comment vous êtes
dont vous êtes réunis dans cette mosquée avec la climatique, avec le la clim, avec la ventilation, mal ventilation, parce que vous connaissez les grands travaux ici, c'était la grande somme après la ventilation, et vous vous sentez très bien parce qu'il y a la, mais suite à la générosité de certaines femmes et hommes, certaines femmes, parce qu'il y a une femme, il a donné tout l'héritage. Sa sœur a pris à acheter une maison, l'autre sœur a acheté une jolie voiture, nouveau modèle, et elle a mis ici. Elle a mis dans la mosquée. Et un peu pour la Guinée, mais elle n'a pas pris un franc, pour vous dire. Elle n'a pas pris un franc de tout l'héritage. Elle n'a pas pris un franc. Même pas une boîte de glace. Il y a tout ici. Et il y en a d'autres qui ont travaillé à chaque fois qu'il y avait 3000, on le met dans une enveloppe. Fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Et grâce à ces femmes et certains hommes, ou si vous voulez, grâce à certains hommes et certaines femmes, on a eu la mosquée, mais suite à la motivation de ses frères. Ils ont dit, c'est très dur, c'est très difficile, vous n'arrivez pas, même certains, ils ont dit, vous n'arrivez pas. Parce que ça va vous coûter plus que 3 millions. Vous allez trouver l'argent où ? Allah subhanahu wa ta'ala yassar lesh la nufi rijal. Allah ta'ala a facilité parce qu'il y a des hommes qui ont pris la voix de Abdullah ibn al-Mubarak. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq. بدي اقول شغله عده الكريم تعجيل وعده اللئيم مطل وتسويف فكان في بعض لن ننساكم بعده على هالكلمة لهلا إذا بتشوف أقول لك لن ننساكم خلص ما بقى يعطي لكن الكريم من دون ما يحكي عدة الكريم ما بيعطي ما بيلحق بيوعدك بقول لك هلا هذا المال بجيبتي بيرجع بقول له واحد عندك مال تعطيني هلا النية تحضرني l'intention je l'ai maintenant il sort ce qui est dans la poche il regarde autour de lui tu me donnes maintenant et puis il donne le généreux sa promesse, c'est cash. Il dit, maintenant j'ai l'intention, c'est cash. Parce que je ne sais pas demain et après-demain. Et le méchant, si vous voulez, Allahim, c'est je vais te donner. C'est après. C'est lorsque je vais. Oh, voilà. Puis après, il reste comme ça et il ne donne rien. Et moi, je connais ces gens. Ana ba'arif ha'oula innas. Je sais ces gens et je sais ces gens. Et il n'a pas oublié. Non, je pense qu'il a oublié, je pense. Bas nahna hak al'allu yasma annahu qala lan nansaakum tahakkuman bihi. On le dit. Wa naqul alhamdulillahi alladhi 'afana mimma btala bihi kathiran min 'ibadihi. Hada ma bi'arif. Ma bi'arif ya'ti. C'est lui qui n'arrive pas à donner. On dit Alhamdulillah, الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. Louange à Allah Ta'ala qui nous a sauvés, préservés de ce que tu es éprouvé et que Allah Ta'ala nous a donné un grand mérite par rapport à beaucoup de parmi ces créatures. Parce que c'est une épidémie et une maladie. Et quelle maladie? Le fait de ne pas donner à Dieu. Le fait de ne pas dépenser pour l'agrément de Dieu. Allahu Akbar Kabira. Alors, fin Nabi alayhi salatu wassalam, il dit عن عمر بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله أتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا. Alors عمر fils de تغلب il a dit un jour un bien est arrivé vers le prophète عليه الصلاة والسلام et que le prophète عليه الصلاة والسلام a donné à certains parmi ceux qui méritent et il n'a pas donné à certains parmi ceux qui méritent. Les deux sont dans le besoin. Il a donné à certains, parce que peut-être il n'y a pas assez. Alors il a donné à ces gens, et il n'a pas donné à d'autres. Mais il a commencé par ces gens, et les autres, il n'a pas donné. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكُوا عَتَبُوا. Et le prophète a entendu que ceux qui n'ont pas eu, ils ont parlé. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas eu. لِمَاذَا مَا أُعْطِينَا.
ليس التسخط على النبي بس تساؤل pourquoi on n'a pas eu. C'est pas parce qu'ils n'ont pas dit on n'est pas content du prophète alayhi salat wa salam, mais pourquoi nous? Ce qui nous a touché a touché l'autre. Comment ça se fait que les autres ont eu et nous non? Ils ne savaient pas, ils n'ont pas compris la sagesse. Ma fahimu mal hikma. Isma'u. فقال عليه الصلاة والسلام أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit je jure par Dieu que des fois je donne à l'homme et je donne pas à l'autre. والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. Et celui à qui j'ai pas donné il est plus apprécié, je l'aime plus que celui que j'ai donné. ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. Mais je donne à certains parce que je vois qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur d'avoir peur de la pauvreté, qu'ils n'arrivent pas à résister devant les épreuves. Et je crains certaines choses pour eux. Je crains que la pauvreté aura un certain effet sur leur état, sur leur religion. C'est pour cela que je leur donne. Et les autres, je sais que leur foi est très forte. C'est pour cela que je ne leur donne pas. Parce que je dis, ces gens-là, ils arrivent à patienter, à résister et à maintenir cet état de foi forte. وَلَكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُ بْنُ تَغْلِبِ. Alors, et je laisse certains, je ne leur donne pas, parce que j'appuie, je me refuge qu'ils ont assez de foi, ils ont de richesse dans leur cœur, ils sont très forts dans leur foi. Parmi ces gens-là, Amr ibn Taghlib. Est-ce que je veux dire Amr ibn Taghlib? Qala Amr ibn Taghlib, فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ حُمْرُ النَّعَمُ. حُمْرُ النَّعَمُ يعني الْإِبِلِ الْفَاخِرَةِ. Alors il a dit Amr, je jure par Allah Ta'ala, la parole que le prophète a dit à mon sujet, ah, je la change pas. Si quelqu'un me la, je la change pas, même contre les chameaux rouges. Et les chameaux rouges, c'était parmi les meilleurs chameaux chez les Arabes. Il a dit ce que le prophète a dit, que je laisse certains de ce que Allah leur a donné, leur a mis dans leur cœur comme richesse, comme satisfaction, comme patience, comme forte foi. Et parmi ces gens, Amr ibn Taghlib, je sais qu'il est dans le besoin, mais il a une forte foi. Il peut résister et patienter, mais pas comme d'autres. Alors il a dit, cette parole, Amr ibn Taghlib, est mieux pour moi que le fait d'avoir des chameaux rouges. Et هكذا ينبغي للإنسان أن يكون أن يتوكل على الله. بيقول كيف مثلا حصل فلان أعطوه ليش ما أعطوني بعض الأحيان. Des fois, il y a des pauvres. Comment vous avez donné à l'autre, vous ne m'avez pas donné? Kun ka Amr ibn Taghlib, soit comme Amr ibn Taghlib, soit parmi ceux qui disent, peut-être ils ont pensé que moi j'ai une certaine force, je peux supporter, que les autres sont... Mouch wahad ya'mal mushkil kabir, kif a'taytu fulan, ma a'taytuni, comment vous donnez à celui-là, vous ne m'avez pas donné, ou vous donnez à celui-là plus que moi. Waihakum ma hadha. واليد العليا خير من اليد السفلى ما هيك اليد العليا التي تعطي واليد السفلى هي السائلة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام السائلة التي تطلب la main haute c'est la main qui donne et la main basse c'est la main de celui qui demande parce que c'est loué dans l'islam de ne pas être parmi ceux qui demandent mais plutôt parmi ceux qui sont satisfaits, qui sont vertueux, ils ne demandent pas. Et s'il arrive sans avoir le cœur attaché, sans cupidité, je le prends. Et puis après, si je suis même dans le besoin et ma famille, je dépense pour eux, sinon je donne fi sabilillah. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة يعني حاجة من أصابته فاقة حاجة فأنزلها بالناس راح عند الناس من يسد حاجتي لم تسد فاقته لأنه ما بيلحق بجيب شيء بيرجع بينزل إيش حاجة أخرى ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui était dans un besoin, alors il l'a mis sur les gens. Voilà ce que j'ai comme problème, alors organisez-vous pour faire une collecte pour moi. Alors il l'a mis sur les gens. Alors le prophète Muhammad a dit, il ne sera pas soulagé de ses besoins celui-là. Il ne sera pas soulagé. Et s'il demande à Allah Ta'ala de le soulager sans aller vers le gens, Allah Ta'ala tantôt ou il lui donne une solution, bientôt il lui donne une solution sur le fait tout de suite ou après un certain terme pour être soulagé. Ma'nahu idha nazaltum bihaja iljaw ila Allah subhanahu wa ta'ala wa huna al-hadith idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. هذا المعنى لما يقول الوهابية المحرفون الدجالون إذا سألت فاسأل الله هذا معناه وإذا استعنت فاستعن بالله هذا أما هؤلاء المحرفين إيش جعلوها لا تتوسل ولا تستعين بالصالحين ولا الحديث ليس في هذا أبدا الحديث جاء أن إنسانا جاء إلى النبي يطلب الحاجة فقال له اسأل الله كان ضاعت جماله ضاع على هيدا وجهته ضاعت جمالي شوف كيف بتكون تعملوا لي كل واحد يعطيني جمال بتنحل المشكلة فالنبي وجهه قال اسأل الله عز وجل فراح فدع الله سبحانه وتعالى فرد له تلك الجمال رجع عند النبي فرحان يا رسول الله جاءت جمالي ورا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حاجتك الدنيوية ما تطلبها من العباد اطلبها من رب العباد اطلبها فجعل الوهابي هذا الحديث بهذا اللفظ على غير ما هو نزل وفي غير معنى وجعلوا سببا لتكفير المسلمين إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإنه إذا أنت سألت الصالحين والأنبياء ما هي هذا من باب العمل بالأسباب والله قاضي الحاجات على الحقيقة والله قاضي الحاجات على الحقيقة نحن نزلت بنا مصائب نسأل الله سبحانه وتعالى ويمكن أن نسأل الإخوان في هذا أن يعينوننا لرفع ما في مشكل لكن أنتم استعنتم بجورج بوش من وراء البحار مع العلم كنتوا عم تكفروا أنه اللي بيستعين بالغائب بتعتبروه مشرك وإذ بكم تستعينون بهذا من وراء البحار وين راحت عندكم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حاصل alors j'ai dit ils ont utilisé le hadith qui n'est pas à sa place إذا سألت فاسأل الله c'est là si tu es dans le besoin dans le bas monde au lieu d'aller vers les gens et demande à ton Seigneur et d'ailleurs j'ai dit c'est là où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le hadith إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله parce que c'était un homme qui est venu vers Sayyidina Muhammad pour se plaindre pour il demande une collecte pour lui parce que il a perdu ses chameaux et ses chamelles et il demandait que comment faire pour lui donner à la place de ce qui est perdu le prophète l'a orienté à demander à Dieu d'être soulagé demande à Allah subhanahu wa ta'ala ne pas demander aux gens pour cela. Et la personne est revenue, il a fait dua, il a demandé à Dieu, et Allah a fait que ses chameaux, ses chamelles sont revenus. Alors il était très, très content, et il est revenu vers Sayyidina Muhammad pour lui informer que tous mes biens sont revenus, j'ai rien perdu. Alors le prophète lui a dit, alors puisque tu as vu que lorsque tu as demandé à Dieu, comment Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tes besoins, alors si jamais tu es dans un besoin, difficulté, pauvreté ou autre chose, demande à Dieu. Questionne et invoque ton Seigneur. Et si tu as besoin d'aide, demande l'aide de la part de Dieu. Ce n'est pas que si tu as besoin de certains gens dans ce bas monde, tout de suite tu vas vers les gens en disant « Aidez-moi, je suis dans le besoin, je suis dans la pauvreté. » Non, patiente, résiste, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Sayyidina Muhammad qui a dit lorsque tu es dans un besoin, alors refuge-toi à Dieu, ne refuge pas aux gens. Si tu te refuges aux gens, tu ne vas pas avoir une solution. Si tu demandes à Dieu, tu auras la solution. Déjà, c'est une chose que l'islam a loué que la personne soit vertueuse. Ma akala ahadun ta'aman khayrun min an ya'kul min 'amal yadayhi. Hadha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad a dit l'être humain n'a jamais mangé une nourriture meilleure que celui qu'il a gagné par ses propres mains et c'est-à-dire par sa propre sueur.
وكان نبي الله داود لا يأكل إلا من عمل يديه. وكان نبي الله داود et le prophète داود ne mangeait que ce qu'il a gagné de sa propre sueur. فإذن, voilà une chose encore à avoir comme mode dans la vie. Cherche tes besoins pour toi et pour ta famille de tes propres moyens, par tes propres forces, et cherche à consommer que le halal, ne serait-ce que le pain sec qui est sec depuis une semaine. Tant qu'il n'est pas pourri, tu peux le manger. La ta'kul illa min amal yadayk, wa law tarra al-amr an al-wahid ya'kul khubzan yabisan. أكل خبز يابس من أسبوع ما في أي ضرر بالعكس مفيد جدا مفيد جدا الأكل اللذيذ قد ما بدك بس هذه هي الجو اللي الله تعالى جعلها في تحت اللسان مع اللسان حول اللسان بعدين بس تخلص أكل وبتشرب بيبسي ما بقى في شيء هلأ صار في شو بدنا نعمل بدك تخفف بدك تروح تمشي لأنك أكلت كتير. Alors c'est-à-dire tu manges ce que tu manges trop cher, tu auras le bon goût au moment que tu manges et après c'est fini, il n'y a plus de le goût que de ce que tu as mangé. Alors si des fois tu manges du pain sec avec certaines choses, le thé ou avec l'huile ou autre chose, c'est pas, ça fait pas mal, plutôt c'est du bien pour ton corps. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. تعرفوا هذا كلام العرب؟ قولوا المعدة بيت الداء. L'estomac c'est la maison des problèmes, des épidémies, des maladies suite à ce qu'on met dedans. والحمية رأس الدواء. Et le fait de se préserver, se contrôler, bien veiller à ne pas manger n'importe quoi, c'est la meilleure manière de pour la soigner pour le soin. Alors cool. Izan, on va clôturer notre leçon par cela, par ce hadith, voilà, et on va lire sourate Yassin pour plusieurs personnes. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. Alors le prophète a dit à ses compagnons. Thauban, il rapporte que Sayyidina Muhammad a dit à ses compagnons: qui me garantit qu'il demande rien aux gens pour que je lui garantis le paradis? من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا. Thauban a dit moi. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. Alors ثوبان, lorsqu'il a dit moi, parce que le prophète il a dit qui me dit, qui garantit, qui prend garant de ne rien demander aux gens, rien demander aux gens, et je lui garantis le paradis. Et ثوبان il a dit moi. Et après les gens ont observé, tu as dit à Sayyidina Muhammad tu as rien, tu vas rien demander. Alors Thauban n'a rien demandé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Eh, wa an-nabiy sadiq, le prophète est véridique. Il lui a dit atakaffalu lahu al-janna. Eh, nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana 'ala khutah ha'ula. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit sur le chemin de ces gens. Qu'on ne demande pas aux gens pour nous, pour nos poches, mais le fait de demander pour l'agrément de Dieu, ça c'est autre chose. Le fait de demander pour faire des projets et acheter des écoles, des mosquées, imprimer des livres fi sabilillah, tout ça, ça c'est une bonne chose. Il faut que tous soient motivés pour ça. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.